Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je l'avais promis durant le live que j'ai effectué lundi, j'avais promis que je ferais une vidéo pour le passage au niveau 104. J'avais estimé entre 7 à 10 jours le passage au niveau 104. J'ai mis un petit peu moins, j'ai mis 6 jours. Donc voilà, on va passer ensemble au niveau 104, comme ça on va pouvoir voir la quête que je vais avoir pour ce passage. Donc là, je suis au niveau 103, il me manque 36 000 d'XP. J'ai volontairement pas récolté les XP de ma soigneuse pour passer au niveau 104 avec vous. Donc on va le faire maintenant, c'est parti. Donc je vais récolter les 43 000 d'XP de ma soigneuse. Il m'en manque 36 000, donc on va passer au niveau 104 directement. C'est parti. Voilà. Bienvenue à moi au niveau 104. Je fais juste une petite capture d'écran. Hop. Comme ça, ça sera fait. Tac. Alors, je gagne un diamant, je gagne un coffre épique. Et qu'est-ce que je vais avoir comme quête? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre ça. Il lui refait un ravalement de façade à monsieur Laurenchon. Hey, c'est un petit nouveau lui. Et ben voilà, on découvre le petit nouveau ensemble. Eh ouais, cool. Sylvain. Yeah, il est cool, il a fait une petite capture d'écran aussi. Ah, je suis content de le voir, lui. C'est cool. Ok. En plus, mon colocataire m'a été dehors parce qu'il ne peut pas payer mon loyer. Le gros baba cool de base. Excellent. Bah, il va falloir que je refasse une vidéo sur les personnages, du coup. C'est un musicien, on s'en serait pas douté. Le surfeur au ukulélé. Ben, ça valait le coup de faire une vidéo sur le passage au niveau 104 en tout cas. Ok. De porc, mais je n'ai pas de porcelet à la fin pour le moment. Voyez-vous m'en faire pousser. Pousser. Quel porcelet aimerais-tu avoir? Cochon domestique. Ça ne devrait poser aucun problème. Alors, je fais juste une petite capture pour avoir le neveu. Ah, c'est le neveu en fait. Alors, avoir des bébés pécaris, c'est con, j'en ai déjà. Les réintroduire, élever des bébés cochons domestiques et les réintroduire. Donc, 79 700 d'XP et 29 000 pièces. Voilà, une petite quête assez sympa. Qui ne devrait pas poser réellement de problème. Ça va me prendre 10 petits jours hein, pour avoir les pécaris. Ça devrait aller. Donc, voilà, bah, c'est cool, on a découvert... On a découvert un nouveau personnage ensemble. Et la nouvelle quête pour le passage au niveau 104. Au passage, voilà, il faut 60 millions d'XP pour passer au niveau 105. En sachant qu'au niveau 105, on aura un coffre rétro, 5 diamants. Et le Jaguarundi que j'ai déjà au niveau 2, j'en ai déjà 4. Vous voulez voir le Jaguarundi? On va aller le voir tout de suite. Comme ça, vous verrez. Donc moi, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au niveau 105. Je l'ai gagné dans la roue et dans les coffres rétro, en fait, le Jaguarundi. Vous avez regardé mes vidéos d'ouverture de coffre. Donc voilà, ils sont là. Hein. Tac. Les Jaguarundi. Donc pas besoin pour moi d'aller au niveau 105. Je les ai déjà au niveau 2. Voilà. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait réellement plaisir d'avoir ce nouveau personnage, cette nouvelle quête et ce nouveau niveau avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Ouais, pour revenir au petit jeu concours, là, c'est haut la main que le jeu Zoo 2 remporte pour le moment les suffrages. N'hésitez pas toujours à partager ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.